Bonjour à YouTube, on se retrouve aujourd'hui sur Pop-Up Dungeon, un jeu qui est de Humble Bundle. Donc, du coup, j'ai encore donné plus d'argent à Humble Bundle. Oh là ! Create. Type to search 9 items. Ability, caractère, ennemi. On va prendre caractère. Quoi ? Caractère. C'est quoi ce truc ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas, je ne connais pas le jeu, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Oh putain. Alors, on peut choisir des personnages. Oh, on va prendre... Ah, mais c'est des Harbinger, Shadow Knight, Sarge, Adventure, Paladin, et ils m'ont bouffé le son. Alors, j'ai vu le trailer, et en gros, c'est un jeu de cartes où tu peux créer et modifier les cartes. D'accord. Oh, qui c'est qu'on va jouer? Oh, il y a Scrapperbot. Un Rogue, un Wizard, un Sky Mage, un Ice Mage. Un Warlock, on va jouer un Warlock, on va jouer le Warlock Dark. Oh, au rein ! Oh, elle est énorme celle-là. Layla la grosse. Layla l'enchantresse. Oh, il y a Demon Hunter là. Berserker. Smore, wow. Short Range Dark Control. Short Range Mind Control. Oh, Mind Control. Et ça ? Mid Range Body Control. Dark Control, Midrange Dark Control. On va le jouer lui là, on va jouer Nyctodemus. Oh merde, qu'est-ce qui se passe? Ouais, vous avez beaucoup parlé. Au fur et à mesure, stylé dans l'idée. Tu dois faire des équipes et tout, bref, fais-nous découvrir, ok. À voir dans le jeu. Alors, on va laisser comme ça. Major Weakness, Focus. Je peux changer ça? Ah, je peux changer contre quoi il... Sound. Je peux même changer ses sons. Oh ! Fais-moi écouter au moins. Non ! J'ai lu, c'est bon, vas-y, ferme-toi. Oh, je vois ses cartes. Ok. Ah, mais attendez, j'ai oublié de faire un truc. Modifie les infos du stream, parce que sinon, je vais me faire bannir. Pop-up. Dungeon. Le test. C'est le test. Hop là. Voilà. Maintenant, on est sur Puppet Dungeon. Genre MMO Tycoon. Oh. Ah, merde. Oh, good, I needed more bone chips. That was an occult classic. Oh, c'est des vieux trucs dégueulasses. I'll take my usual plot, please. I'll take my usual... C'est pas de caractère. Ouais, allez-y. Vous savez quoi? Main menu. Je veux pas créer un personnage. Je veux commencer. Ah, mais faut cliquer là-dessus, peut-être. Ah, mais d'accord, en plus, j'ai même pas le choix. Campagne, tutoriel. Pas le choix. The Wizard Tower. Ok, start. Enter search text. Ah. Ah, oui, d'accord, en fait, ouais, ok. Donc là, j'ai pas le choix, c'est le tutoriel. On y va. J'aurais dû commencer par là. En fait, je pensais que c'était create, mais c'était créer une première partie. D'accord, je suis Magnor Warrior. Confirme partie. Item et effect. J'ai rien. Oh, la musique. C'est pas la forêt d'Elwynn? Non, c'est pas la forêt d'Elwynn. This is very helpful bat. The question is, who is he helping? Qui c'est qui l'aide? Commencez le dialogue. Greeting player, I am the Dingbat, servant of the wizard, and you are humble guide. Super, je suis un humble guide. La musique délicieuse. Dingbat? Ça sonne like a made-up name. Nope, it's naturally occurring name. Now listen up. You're only gonna learn this stuff once, but I'm gonna teach it to everyone. So let's keep things curt, shall we? Allez. Cook, Frank, listen one. D'accord. Too cool for school! You could always skip the tutorial. Ah non! Lesson 1. Location Dungeon Classroom. Difficulté novice. Donc, dans la... T'as fait les progrès en anglais, dis donc. Non, je fais juste un accent stylé. Enfin, plutôt stylé. Plus stylé que français. De toute façon, je fais Donjon Classroom. Difficulté novice. Encounters 1 standard. Leçon 1. How to know I whack the goblin. Allez, on démarre le niveau.
Comment je sais que je whack le gobelin? First day of pool. Here we go! Click and run to explore when not in combat. Look for me in the bottom left corner of the screen if you need guidance. Casse ça! Casse ça! Ok. Ok, faut juste se déplacer avec le curseur donc. Ok, j'ai ouvert la porte. Moi j'ai ouvert. Oh, il y a une classroom! Là, il y a. Ah, c'est les toilettes. C'est les latrines, pardon. Je veux les utiliser. Alors, pardon, je les fais prendre feu. Je les utilise pas vraiment. Mais je veux casser les trucs, je veux du loot. J'ai pas de loot. Ça! Encounter! React! Gobelin, non. Deployment phase. Alors. Pendant le déploiement, tu peux cliquer sur le caractère pour changer la localisation de départ. Lui. Mais je vois. Oui, j'ai cliqué. J'ai pas compris. Ah ok, fallait cliquer, vraiment cliquer. New starting location. On va commencer là, parce que je suis un guerrier. Click on an arrow tile to set their orientation. Ouais, on va commencer par là. When you're ready, click on the start battle tab in the... Ouais, ça j'ai trouvé. Mais du coup, c'est 5 d'attaque et 6 de PV, c'est ça? Et 8 d'attaque et 5 de PV. Ça doit être ça, parce que si on regarde bien, ça m'a l'air d'être ça. Round, run! Before you chop this goblin into nuggets! Oh oui, des nuggets, j'ai faim! There are a couple of bubbles I would like to introduce. The blue bubbles above, our entity represents this action. Ah, donc ça, c'est les points d'action, d'accord. C'est le mana, ok. En général, speakness that you have to move and activate abilities. The green bubbles represent your maximum movement this turn. Ah, d'accord. Donc ça, c'est mes actions et ça, c'est mes mouvements. And in case this is your first RPG ever, the bar represents your health. Ah oui, super. Hey, just kidding, lol. We incinerate you and I pray the fluid smog of your ashes. Oh non, pas mes cendres. Tu vas pas m'incinérer. Alors, il attaque, c'est lui qui commence. Attends, c'est moi qui ai tapé? J'ai pas tapé. Oh, look, how'd you go? That a reactive ability. Ah, d'accord. Ça se tape tout seul. Look for the tab above the care to see what kind of condition must be met. Alors, react, enemy moves, target move. Mover. Ok, donc je fais 90-100. Moi, 133% de mobilité pendant un tour. Je refresh, j'ai la pub. Go lire tout en français. Alors, non, parce que je vais perdre un peu de temps. Même beaucoup. Un tab rouge veut dire que tu peux pas trigger sur ton tour. Ok, super. Le bleu, ça veut dire qu'il peut être trigger à n'importe quel moment. Donc tu peux l'utiliser à n'importe quel moment. Ouais, je suis déçu. Ouais, on a fini, Ellie. C'était trop facile, c'était nul. Alors ça, c'est ce qu'il m'a fait. Il m'a fait 129 de dégâts alors qu'il avait marqué 128. Donc c'est un espèce de jeu semi-carte. Mais c'est méga stylé comme fait. C'est vrai qu'il a été stylé. Comme je suis une chauve-souris vachement utile, je vais mettre tes cartes en surbrillance. Ok. En fonction de la situation. Rouge c'est mal, vert c'est bien, bleu c'est le meilleur. And if a card is grey, it can be used at the moment. Okay. Double clic, carte. Ah d'accord, donc je double clic dessus pour la jouer automatiquement. Pour activer automatiquement son habilité. Alors bleu c'est le meilleur. Taunt. J'ai pas besoin de taunt. Si l'ennemi se trouve dans les trois cases devant. Enfin, genre une case devant et trois cases derrière. Et ça, c'est ça rien. Ça, c'est le react à mouvement. Donc je fais ça et je fais comment? Je déplace? Oui! Là. Quoi, 180? C'est tout? Quoi, j'ai les one shot? 7 gold. J'ai gagné un bouclier. Un équipement, ça marche de la même façon. Double clic pour l'équipe automatiquement. Et je drag and drop pour l'équiper custom. Ça se met là? Ah, je peux! Attends. J'ai quoi? 16, 28. 16 défense, moins 16. Ah, et je peux le vendre là. Ok.
Ça commence bien déjà le jeu, et en plus c'est bien. Alors, quand tous les ennemis d'un niveau sont tués, clique sur Exit le niveau pour avancer. Exit levels, ok. Ah mais y avait un tableau avec des trucs qui expliquaient des trucs. Regarde le tuto. Level up! Ouais, j'ai pris un niveau. Je gagne des nouvelles statistiques. Club Cracker. Ah d'accord, je gagne des cartes. Hop. Ça allait. C'est tout? Ah là du coup on voit ce que j'ai eu. C'est là. Je fais 200 de dégâts et moins de 26 à mort de pénétration pour un tour sur la cible ennemie. Je crois que c'est ça. Ah, on voit toutes mes stats. Ah, et j'ai récupéré mes HP aussi. Putain, c'est stylé de ouf. Ok. Ok, ok. Confirme partie. C'est tout? Party time? No, let's send this party into a party. Get ready to choose a study buddy. Aurin the Wizard, vous Enola la chasseuse. Aurin le mage. Accept modification. Si tu veux. Du coup, maintenant j'ai Aurin le mage avec moi. Parce qu'il est stylé. Qu'est-ce qu'il fait? Moins 71 de dégâts et moins 78%, 76% de mobilité. 44 de dégâts et 250. De 44 à 251. Ah oui, c'est un peu. Ah, et ça coûte 1 à 5 d'action. Et ça coûte 1 à 6 d'HP, c'est ça? 2 à 5. Fireball. Cooldown. Ah, il y a des cooldowns aussi. Waouh. Ah ouais. Attendez. Et ça m'a coûté quoi? Ah, ça m'a pas coupé des HP. Je sais pas ce que c'est que ces points rouges. Bonne nuit, Julien. Putain, tu peux même pas voir un vrai combat. Regarde. Ah, leçon numéro 2. Start niveau. Ok, ça sert à rien que j'aille par là, on va aller là-bas. Allez, ouvre la porte. Ok, on retourne sur une classe. Ah, là, regardez, on voit. Rotate, drag, W. Ah, on peut le faire avec le curseur aussi. Avec le clavier. Check the turn order on the right side of the screen. Ouais, c'est bon, je sais. The first object to overcome is always yourself. Donc, ouais, je peux le déplacer où? Donc je peux le laisser que là. On va le déplacer par là, parce que c'est moi qui bouge en premier. Et lui, on va le déplacer juste derrière, comme ça il sera tranquille. Et attendez, c'est ZQSD, c'est un jeu qui est raciste. Donc je suis en QWERTY. Super, sort de battle. Magnus turn. Carte custom activate and abilities. Donc là, je peux aller là. Je les touche de là. Click on target tile for abilities or drag the card back down to cancel. Click on the grid tile to activate from location or click. Ok. Sur un truc pour l'annuler. Donc là, je me déplace là et je lui fais taunting shot. Donc là, je les ai taunt dans 8 tours lui. Du coup, je enturn. Avec espace, ça marche. Parfait. Ça, c'est parfait. See the number of fireball ability. Quoi? Oui, il y a un. Je comprends pas. Ok. Fallait regarder le nombre de fireball habilité. That let you know how many turns are left before you can use. Ah oui, d'accord, c'est le cooldown. Il me reste encore un tour avant d'utiliser ça. Par contre, ça. Moi, je me déplace là. Voilà, et là, je fais ça. Ah mais je peux plus jouer là, ah d'accord. Ça m'a utilisé les deux. Ouh. Oh le kobold. Ah il va m'attaquer lui. Ah non, c'est vrai qu'il est taunt. Oh, Magnor il a pris la max. Donc là on peut faire ça, ça va mettre la max. Ok, ça c'est pas moi qui choisis. Ah je peux faire un autre truc. Donc si je double-clique dessus, ça fait vraiment... Ça choisit pas qui je fais. Si je double-clique dessus, ça va directement taper. Comme un singe. Et on va se déplacer là. Et là, end turn.
Ah, mais j'ai encore des CD. Le tour de rein. Ah, là, je lui mets la max. Oui, là, s'il te plaît. Tape-le. Ok, aura. Un nouveau village, un nouveau pillage. Fancy that. 24 mobilité, 12 de M, il est déjà les mêmes. 18 mobilité, attends, mais je sais pas celle que je viens de virer. Non. Traducteur de talent. Be sure to stop and smell the paper every now and then. Ok. Là, il raconte sa vie. Alors, we will find useful poster and to go over some them with you. Please do, vas-y. Please do. There are some. Allez, vas-y, montre-moi les posters. Alors, ah, la cible verte pour les range mineurs. Ça dit que ça ignore la ligne. Si le nombre de la ligne est en dessous. D'accord, que ça peut être utilisé seulement sur une ligne droite. L'icône côté de l'effet de power type, donc Magic Air, Mundane Slashing. Ok, bon, ça c'était basique. The icon chez Winter's Tools, the circular is circular is magical, d'accord. Et Square, c'est les attaques au corps à corps. Enfin, les attaques, ouais, on a compris. Il y a 12 types différents, ok. Si tu te retrouves face à un ciseau, tu devrais mieux faire un caillou, n'est-ce pas? And the other side, on the effect, you might see an icon like this one, which means that the effect will target the caster. Ok, donc l'effet va... L'effet, ça sera sur la personne qui lance le sort. Bon, il y a ça. Other icon, to look for a trap field, et l'origine. D'accord, d'accord. Et l'origine, je vois, le field, ok, et le trap, ok, c'est facile. On the board, the difference is that the trap is removed when triggered. Ok. Feet stick around for their durations. And an origin icons means that the effect will only target the actual tile the ability wasn't activated on. Et c'est tout. Regarde autour de la classe, tu vas apprendre des trucs. Ah, bon bah je suis passé de l'autre côté, ok super. Best, ok bad. Bon là il y avait rien. Ensuite, on va aller là. J'ai perdu Aura hein, ou c'est moi qui délire? Exit level, j'ai fait tout le tour? J'ai fait tout le tour, exit level. Alden will be pleased. Mais qui sont moches tout de même? Ah bah oui, non mais ça va sur Aura hein, Magic Power quand même. Soyons pas fous. On va pas mettre de la magic power sur that we had yet another member to this party. Vas-y, on ajoute un nouveau membre. Ah, est-ce qu'on voulait l'enchantresse ou on voulait... C'est quoi ça? C'est la police! Est-ce qu'on veut la police? On veut celle qui charme. Moi, je veux la police. Ouais, mais il est gris et elle genre, elle a un joyau, genre style légendaire, tu vois. Du coup, on va prendre le truc légendaire. Ah! Oh. J'ai eu 6. Ah, d'accord, pour l'avoir. Pour l'avoir, il fallait faire 7 ou plus. Oh non, j'avais 70% de chance d'y arriver, j'ai fait 6, quoi. Typical. Elle était triste parce que. Parce que bah tu l'as pas eu. Et elle est partie. Bon bah du coup on prend la police hein. On va arriver à faire police. Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est un mêlée. C'est un long range, j'ai tellement pas vu la long range. Pick me, that's an order. Choisis-moi, c'est un ordre. Ah oui, il tape. Ah oui, il lance des grenades et tout. Ah ouais. Est-ce qu'il y a Friendly Fire? On va bien voir. Un boss. Boss 4. Ah oui, d'accord.
Bon alors tu pexte le boss. En plus on voit ta queue qui traverse le truc. J'aime raid. Alors. L'Encounter. C'est le gobelin. Le Cat Knight. Alors on commence par le tank. Il est où? Là. Toi. Toi, je veux que tu sois ici. En face. Toi, tu vas être ici, c'est très bien. En face. Et toi, Aurin. Écoute, tu vas te mettre là et en face. Voilà. Et là, on fait start battle. Oh non! The Cat Knight! Motherfucker! Le chat chevalier! Le chevalier! Skitty-kitty! Has cat-like reflex. And will jump away when you try to attack it. Ah, super. Ah, oui, d'accord, il y a des reacts, on les voit comme ça. You can tell an enemy has reaction like Magnus ability. Quand tu vois le truc qui est en dessous, que en dessous de la barre de vie, tu sais que c'est une réaction. I will let you figure out how to handle this elusive hand panther. Here comes the maelstrom. Ok, alors est-ce que. Ah, il a upgradé mon hache, ma hache. Et m'a donné une nouvelle habilité. Point blank area. Ah oui. Bébé AOE, toujours plus fort quoi. Donc bon, j'ai une AOE avec ma hache maintenant. Ah ouais. Friendly Flyer is most definitely on. Ah ouais, d'accord. Et là je le tape, on est d'accord. Ça a l'air d'être mieux, ça il dit que c'est mieux. Et ça me coûte 2 bleus. Mais il a... je lui ai enlevé son truc en moi. Ah. C'était quoi ça? Est-ce qu'on peut voir ce que c'était? Est-ce qu'on peut voir l'effet qu'il vient de faire? Non? Et pourquoi il avait un D19 et lui il a un D22? Ah ouais d'accord, c'est l'initiative. Ah oh, putain, c'est vraiment un JDR. End turn. Bam. Moins 26 de pénétration d'armure. Ah, c'est mon tour. Franchement, là il y va tout seul, il a très bien compris ce qu'il fallait faire. J'ai one shot le chat là. J'ai mis 403. Ah, il est pas mort. Ah si, il est mort. Chet. Oh. Chet le chat. Même Aura il a pas joué quoi. En fait la police a été forte. Blue cheese gum. Private first class. Physical power plus moins 8 de mobility. Mais vas-y, ça part là dessus mon gars, tu vas kiffer ça. I love the smell of loot in the morning. I'll buy that for a dollar. 12 fire power. Elle s'en branle. Et voilà, en fait, c'était nul pour tous. ...7,8... ...5,9... ...mais moins 8 de aim. Mais du coup, ça me dit que c'est nul. J'ai déjà un truc comme ça, en plus. Allez, on va le vendre. Bon, de toute façon, c'est... ...le tuto. Bon, j'ai dit espace pour quitter le niveau. Ah mince. Exit level. C'est rigolo ce jeu. Life Siphon. Ça... Ouh, c'est du lifesteal. 27% de lifesteal. Oh oui, tiens, prends ça. Vas-y, t'es mon tank, de toute façon, c'est à toi d'avoir du lifesteal. Ça y est, on va le jouer des cas. Et là, c'est la fête parce qu'on l'a tout tué, c'est ça? Yes. Attendez, hein. On est pour 2 secondes. Parfait. Donc là, on a fini le tuto. Letter of Debus origin cross on your desk. It is addressed from someone referring to themselves as the Withered. You take, tu prends ton D20. Une page de seal on the back of the envelope, recycling bin, that's ready. But just as you
Unfolded Ledger begins to read itself aloud. Those called gamers. Pour ceux qui se disent gamers. Life drowns you in challenges, and yet you seek out more in games. Life drowns you in challenges, and la vie t'a amené dans les challenges. And you seek out more in games. Some think you're seeking refuge from the world's problems, but escapism is most dangerous when you actually need to escape, isn't it? You and I both know that's not what this is. You and I both. Donc, tous les deux, on sait très bien que c'est pas comme ça. You seek these challenges because you're bored with reality, and I'm here to remedy that in one way or the other. Tu t'ennuies de la réalité. Là, voilà. Qui je suis, c'est pas important. Ce que je fais est important. Ah, c'était l'heure du prout. Oh, j'ai plus du cul, quoi. La créativité et la détermination qui est ma plus grande force. Je vais apprendre à faire la différence entre la fiction et les facts et les faits pour différencier ce qui est quoi et quoi. Pour décider de ce qui est quoi et quoi. So bring your mightiest heroes, most powerful legends, saltiest streamers and dankest memes. I await you. Il m'attend en haut de sa tour. I threaten no violence. Ne t'inquiète pas. Je ne fais pas de violence. Enfin, je suis non violent. Enfin, je suis qu'une menace. However, when I win, and I win, your creativity shall be my trophy. Without it, humanity is surely doomed to a dim end. Et mon trophée. Sans ça, l'humanité sûrement tombe dans les abysses, quoi. But no pressure, after all. Après tout, c'est juste le jeu. Ok. Donc, on a fini le tuto. Et du coup, on dit... Oh, j'ai un tableau des scores. Triple B title. Okay. Super. When's the feast? It was unwise to stand against her. Ok, faut faire quoi maintenant? Je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Oh, c'est du random. C'est une loot box. Ah, j'ai eu un écusson que je peux faire avec mon imprimante 3D. Plastic Charm of Defense, Increase Defense of All Party Members. Ah, c'est des passifs. D'accord. Ah, est-ce que du coup je peux le mettre là? Et boum, j'ai un passif pour la prochaine game. Parfait. Plastique. 1000 gold. Pas. Ah, c'est pour en faire? Oui. J'ai pas compris. Je pense que j'ai pas les thunes encore pour faire un truc là. Ok. Échappe. Charm combine récipe. Ah, il y a des recettes de charme. Quoi. Ok. Là, j'avais une petite bouboule. Ok. Alors, début de YouTube, c'était le tuto. Et maintenant, on va commencer une vraie partie tout de suite.